Il y a un autre sujet que j'aimerais aborder au niveau de la famille. Quand on parle de la famille, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de grandes souffrances, souvent, lorsque une personne se convertit. Puis on a demandé un enseignement au Seigneur que je veux vous partager. Je reçois le téléphone un jour, c'est-à-dire une lettre, d'une dame que nous connaissons depuis nombre d'années, qui demeure dans la région de Hall-Gatineau, très engagée au niveau de la foi. Très, très bonne personne. Elle prie régulièrement, elle adore, elle est très engagée. Mais elle nous écrit pour nous dire, nous parler de sa souffrance. Parce qu'elle dit, d'une part, elle était veuve, donc elle était seule. Elle avait un seul fils qui est devenu un homosexuel et la relation était éloignée, s'était éloignée, la relation était pas bonne, était à distance avec son fils. Il lui restait un frère et une sœur, son frère étant plus vieux qu'elle, qui s'était divorcé puis vivait en concubinage, elle s'était brouillée déjà depuis longtemps avec son frère et la relation était très difficile. Elle avait une sœur plus jeune, avec qui elle avait entretenu toujours une étroite relation. Mais pour elle, c'était sa petite sœur plus jeune qu'elle devait protéger et tout ça, qu'elle se sentait un peu dans un rôle de mère avec. Et sa petite sœur s'était séparée, puis elle vivait en concubinage. Et là, elle venait de lui écrire une lettre de 5 pages de bêtises en lui disant, j'espère que tu as bien compris, je ne veux plus rien savoir de toi. Ça, c'était la fin de la lettre. Alors, j'ai porté cette situation-là au Seigneur en lui demandant de nous donner un enseignement. Et vous le trouverez dans le volume numéro 3 ou numéro 104. Et il est republié aussi, je pense que je l'ai republié aussi, reproduit dans ce petit volume-là, pour le bonheur du couple et de la famille. Alors voici ce que j'obtiens. Oui, l'engagement pour Dieu ou la conversion d'un des membres d'une famille suscite parfois des divisions au sein de cette famille et fait l'objet de grandes souffrances. Certaines de ces souffrances sont nécessaires pour vérifier l'authenticité de l'engagement. Vous savez, si on vit une conversion, puis qu'en arrivant à la maison, tout le monde nous applaudit, puis oh, on est content, tu viens de découvrir le Seigneur. Bon, mais si, au contraire, quand on arrive à la maison, les gens nous disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? Es-tu tombé sur la tête, là? Es-tu en train de devenir fou, là? Qu'est-ce qui te passe, là? Bon. Alors, ça ne fait pas le même effet, et ça vérifie l'authenticité de notre engagement, à savoir, est-ce qu'on est réellement engagé envers le Seigneur, ou si on le fait pour que ça plaise aux autres? D'autres sont nécessaires, d'autres souffrances sont nécessaires pour la conversion de certains autres membres de la famille. Vous savez que Saint Paul, « Je souffre dans ma chair ce qui ne manque à la passion du Christ ». On a parlé hier de l'importance d'accueillir une souffrance et de l'associer aux souffrances du Christ afin qu'elle retombe en grâce et en bénédiction sur l'humanité et d'une façon toute particulière sur les personnes qui sont la cause de nos souffrances. Cependant, beaucoup de ces souffrances pourraient être exemptées. Puis là, il y a 4 « si ». Si la personne convertie avait une foi plus grande et mettait toute sa confiance en moi et non dans ses moyens d'évangéliser. Voyez-vous la différence? Quand on a parlé hier de donner nos enfants au Seigneur, est-ce qu'on met notre confiance en Dieu pour évangéliser ou si on met notre confiance en nous? Alors, si on est réellement évangélisé, si on a réellement la foi, on va mettre notre confiance en Dieu, que c'est Dieu qui va toucher le cœur des personnes, et non nous. Bon. Deuxièmement, si elle respectait l'entière liberté de la personne comme je la respecte. Dieu respecte notre liberté. Nous, est-ce que nous respectons la même liberté des gens avec qui nous vivons dans une maison?
principalement ceux que nous aimons, notre conjoint, nos enfants. Je ne parle pas d'enfants lorsqu'ils sont jeunes, qu'on a à les éduquer, mais je parle lorsqu'on est dans un monde adulte. Est-ce qu'on respecte l'entière liberté des autres, leur choix? Troisième, si elle acceptait de demander pardon, d'avoir entravé la liberté de l'autre, lorsqu'elle constate avoir voulu lui imposer sa foi. Le texte aurait peut-être pu se lire aussi. Si elle avait l'humilité de demander pardon, d'avoir entravé la liberté de l'autre, lorsqu'elle constate avoir voulu lui imposer sa foi. Quatrième, si elle était capable d'aimer en profondeur la personne pécheresse, tout en rejetant le péché. Voyez-vous, c'est là d'ailleurs que c'est un enseignement que Jésus nous a donné, et très souvent nous avons bifurqué. Est-ce que la personne, le Seigneur nous a demandé d'aimer la personne, pécheresse, mais rejeter le péché? Alors, trop souvent, nous avons cru que pour aimer la personne, il fallait accepter le péché, et pour rejeter le péché, il fallait rejeter la personne. Non. On a demandé la différence, de dire « Oui, moi, je t'aime. J'accepte pas ce que tu fais. Je n'approuve pas ce que tu fais, mais toi, je t'aime. Ma porte est toujours ouverte. Je vais toujours t'accueillir. Je vais toujours t'aimer. Même si je n'accepte pas ta conduite. » Alors, je lui ai envoyé, cette lettre-là, cette réponse-là, à la dame en question. Je n'ai pas entendu parler d'elle pendant un an. Au bout d'un an, elle nous appelle, toute heureuse. Elle dit, « Je viens de me réconcilier avec ma sœur et je veux que vous soyez les premiers à l'apprendre. » Ah oui? Mais elle dit, « Je dois vous dire que ça m'a pris un an avant de pouvoir lui écrire. » Je lui ai écrit, je ne sais pas combien de lettres que j'ai déchirées. Parce que dans chacune des lettres, je lui demandais pardon, mais il y avait un petit côté moralisateur. Tu sais, c'était ma petite sœur plus jeune, puis là, elle dit, je disais non, c'est pas ça. Déchirez ma lettre, je la mettais au panier. Déchirez mes lettres. Elle dit, la lettre que je lui ai écrite, elle était ceci. Je lui ai écrit le jour de mon anniversaire. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. Que le temps passe vite. Je n'ai qu'un seul regret. C'est-à-dire, moi, j'ai organisé ma vie comme je n'ai qu'un seul regret de ne pas avoir été la sœur que tu aurais voulu que je sois. Moi, j'ai organisé ma vie comme je croyais qu'elle devait être organisée. J'ai oublié que tu avais le même privilège que moi. Pour toutes les fois où j'ai entravé ta liberté, je t'en demande pardon. Ta petite sœur qui t'aime. Elle dit, ça n'a pas pris 24 heures. Le téléphone a sonné et nous nous sommes réconciliés.